invité tout le monde avec la presse et nous avons dans la salle là d'assister vraiment à la conférence de presse là que marché titre de l'équipe basketball à Tébaye Matéen et nous trouvons son bel bagage pour sport à tout et nous avons souhaité l'autre entreprise, l'autre équipe suivre exemple ça. Coup d'envoi, chef de Baclan, c'est pour le jeu qui va venir là. Dis-nous, qui décision déjà prend question pour nous connaître un meilleur championnat comparativement à l'année dernière. Bon, nous-mêmes, chaque championnat, nous disons, il y a une touche par haut. Et effectivement, coup d'envoi, nous avons annoncé le 3 novembre, nous sommes obligés de faire un tir au Port-Eli. Et parce que le lancement fait le 30 novembre ici à la Olydéine. Et date d'ouverture, c'est pour le 17 novembre. Parce que quelques petits bagages nous beaucoup faire, quelques petites mises en place nous beaucoup faire, et quelques petites préparations sur le site de jeu nous beaucoup faire. Et nous pensons le 17 novembre, après une bonne date pour HBAC, pour lancer cette édition. Contrairement à l'année dernière, nous avons le travail, comme nous toujours dit, pour la 4e édition, pas sembler avec la 5e édition. Nous avons l'autre touche la côté et nous avons déjà dit public là, nous mettons à attendre vraiment à une belle 5e édition. L'année dernière, malgré que je suis terminé en beauté, mais tu as une complète sur le plan arbitrage. Déjà, est-ce que le comité organisateur là déjà prévoit faire un chit attendu avec l'arbitre question pour avoir un meilleur arbitrage? Bon, nous pensons que comme nous vous disons, nous avons un arbitre responsable à 100% et HBAC conscient de ça. Et semaine dernière, récemment, là, en République dominicaine, on a négocié avec la Fédération dominicaine. Pour lui voir trois arbitres pour nous avant la smash back. Et là, trois arbitres, ça a un instructeur là-dedans qui vous fait en clinique de deux jours avec tout arbitre. Et monsieur, ça a là pour ouverture avec nous. Et pour deuxième tour, il a encore retourné. Et vraiment, pour venir dans le cadre d'arbitre Panoro pour nous cabailler en bel championnat. Comme d'habitude, il y a un peu de monde qui a plaint concernant la sécurité dans le championnat HBAC qui n'est pas fin trop normal pour les supporters. Et Anissa, comment dispositif là est pour la sécurité capable plus normal pour nous? Bon, ça c'est. Bon, comme on dit, c'est peut-être pas fondé. Parce que nous-mêmes, qui est la 3e, qui est la 4e édition HBAC, nous n'avons jamais vraiment enregistré aucun incident. Et qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, ou toujours elle, que la police nationale toujours dans nous vraiment en très bonne couverture. Côté la police toujours là, qui tient dedans, côté activité en fait là, qui tient dehors, pour sécuriser toutes les machines qui parquent dehors vraiment. Parce que HBAC lui-même, son championnat vraiment, qui toujours attire la grande foule. Et encore, on est ça, nous allons chuter vraiment avec la police. Nous avons tout profité de remercier tout. Et de Léo. Directeur de la Médale, qui c'est Mikael Gédéon, qui vraiment a plusieurs années après nous en HBAC. Encore une fois, nous allons compter en pile sur le concours de la police pour permettre la 5e édition de réussir.